Voilà, qu'il souhaiterait vraiment avoir une deuxième femme. Cette vidéo est sponsorisée par Waga Showroom, votre boutique spécialisée dans la fabrication et la vente des meubles et appareils électroménagers. Ouf. Chérie. Comment tu vas? Trop fatigué. Merci beaucoup. Les embouteillages là vont me tuer. Ah, mais tu vois ton mari qui vient d'arriver du boulot, il faut lui donner un peu de l'eau à boire. Non, toi tu peux pas te lever, aller enlever de l'eau là pour boire. Tu n'as pas soif. Ah! Bibi est où? Bibi! Tanti! Il faut m'envoyer de l'eau. Il faut envoyer de l'eau pour tonton. Faut voir la nourriture là. La nourriture là est très fine. Aïe, comment ça, quelle nourriture? Je dois manger non? C'est Bibi qui devait préparer. Elle est sortie. Elle est partie voir sa tante le matin. Moi je viens de faire maison. Donc je ne peux pas prendre ça pour couper les condiments. Et puis ma main va sentir. Je ne peux pas. Hey! Attends. Donc Bibi n'est pas là. Toi tu es là à la maison là. Toi tu n'as pas préparé. Tu me provoques. Tu es rentré du boulot là-haut. Tu as vu qu'il n'y a pas de la nourriture. Tu ne peux pas préparer toi-même. Tu ne peux pas préparer. Si c'est moi, tu attends là. La fille va te tuer aujourd'hui. Ciao. Moi, je n'ai pas pu préparer là. Toi, tu ne peux pas préparer. On t'a dit que moi, je suis ta bonne. Tu m'as mariée là. C'est pour faire la cuisine dans ta maison. Tu n'as pas faim. D'ailleurs, même il y a bouilli au frigo. Si tu sais que tu ne veux pas préparer, il faut aller prendre ça, tu vas chauffer, tu vas voir. Tu vois, le là, ça nous. C'est Bibi et Mario, mais c'est toi. Depuis, il faut qu'on parle. Tu vas me parler de quoi? J'ai mal à la tête. Faut te lever en parler seulement. Voilà, tu sais, ça fait bientôt 3 ans que nous sommes ensemble. Et depuis là, je suis en train de te parler de l'enfant là. Il faut qu'on cherche à avoir un enfant. Ce matin même, ma maman m'a parlé de ça. Il dit qu'il faut qu'elle ait son petit-fils. Donc franchement, il faudrait que... Si elle veut un petit-fils, elle-même, elle va prendre une grossesse et va accoucher. Yeah! Moi, je t'ai dit quoi, Momo? Je t'ai dit quoi? Affaire d'enfant là, pourquoi tu me ramènes ça aujourd'hui encore? On a déjà parlé de ça, non? Je t'ai bien dit que je n'étais pas prête. Ou bien, je ne suis pas prête à tomber enceinte. Je n'ai pas envie de me déformer maintenant. Donc, tu veux que tout sport que je fais pour faire partie mon ventre là, ça n'a pas tombé à l'eau, quoi. Eh oui! Tu t'es mariée, moi, c'est pourquoi? Donc, si tu voulais une poule pondeuse là, fallait partir au marché, tu vas acheter une poule. Venir déposer dans ta maison. Ah! T'as entendu? Et où t'as dit, c'est comme ça? Tu me demandes même pas. Les enfants là, on planifie. On se lève pas comme ça pour faire enfant. Je ne suis pas prête. Il y a ma carrière même qui est là. Hein? Ta carrière? Oui, il y a ma carrière qui est là. Ta carrière passe avant ta famille, c'est ça? Oh, s'il te plaît. Si je n'ai pas envie de trop parler. Si tu n'as rien à dire, il faut te lever, tu vas rentrer. Ok. Ou bien si tu as envie de sortir aussi, il n'y a pas de souci. Et puis je te préviens, je vais en boîte avec mes amis ce soir. Ah non, non, non. Bibi, il ne faut pas t'inquiéter. C'est un petit truc. Ah, Momo, il faut l'appeler. Ah, oui, il faut l'appeler. Ah, ok. Bibi. Ok.
tes nouvelles sont bonnes. Dieu merci à toi. Et j'ai oublié. Je ne vous ai pas apporté à boire. Ah non, non, c'est bon. Bibi nous a déjà. Ah, ok, ok. Et à manger. À manger. Non, elle nous a déjà. Amanda m'a empoigné. C'est bon, là. Elle s'est bien préparée, celle-là. Ah, sinon, il n'y a pas quelque chose, c'est pas quelque chose de grave. Voilà, c'est mon fils Mongo qui est venu me voir avant-hier. Il m'a dit que tu as une carrière que tu tiens à ça, vraiment. Ah oui, tu vois, non. Il joue pas sa carrière. Elle joue pas sa carrière. Je joue pas. Et voilà, donc comme tu travailles comme ça, tu n'as pas le temps. Lui aussi n'a pas le temps. La maison ne peut pas rester vide comme cela. Donc il m'avait dit, bon il m'a dit, voilà, s'il souhaiterait vraiment avoir une deuxième femme. Voilà. Bon, c'est pas grave. Quoi? Non, c'est pas un truc qui est grave. Et puis comme tu tiens à ta carrière. Surtout. Oui. La carrière. Et puis tu vois, ça va pas être quelque chose de compliqué. La femme là, vous connaissez déjà. Tu vois, non? Ouais. Ou même, c'est pas ça? C'est ça. On se connaît déjà, c'est qui ça? Ah, tu ne l'as pas dit, non? Non, il ne t'a jamais trompé. Jamais. Comme tu as une carrière, tu tiens à ta carrière. Donc, voilà, c'est Bibi. Bibi, ma servante là. Maman! Mais c'est pas ça. Tu sais, comme tu tiens à ta carrière, il faut que dans la famille, on pense à toi. Oui. Si on ne pense pas à toi, on peut pas être égoïste. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut que tu avances aussi. Mais est-ce que ma carrière m'empêche de tenir compte de mon foyer? Ah, bon. Tu dis qu'après l'enfant là. Oui, oui. Tu as gardé la ligne. Bon, Bibi va s'en charger. J'ai dit ça. Maintenant, voilà. Toi, tu gardes la ligne. Voilà. C'est vrai. Moi-même, je voulais te parler. Ouais. Je voulais te dire que j'avais beaucoup réfléchi. Je suis prête. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi. On est en avance. Ça, c'est bien passé. C'est bien passé. Hein? Non, tu as ta carrière. Prends courage. Ta carrière, ça va avancer. Non, ma carrière, elle peut attendre. Bon. Ça, bon, c'est qu'elle va expliquer ça après. Sinon, comme j'ai déjà dit aujourd'hui, là, voilà. Tu vas aller les confirmer ça. Bibi, t'as déjà placé tes affaires de l'autre côté. Va. Placé où? Maman, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas prendre ma servante comme deuxième épouse. Non, mais autant prendre quelqu'un que tu connais, que tu maîtrises. Non, je ne suis pas prête à partager mon nom avec une maman. Si c'est comme ça, je vais divorcer. Si c'est comme ça, je vais divorcer. Ah, en tout cas, ça, c'est pas moi qui vais demander de ça. Non, et puis tu sais, oh, toi-même, tu es un homme. Dans la famille, tu sais que quand tu es un homme, il faut être un homme. Elle ne sait pas ça. Elle ne sait pas. Moi, je suis venu parler comme cela là. Au début là, je ne voulais pas faire parler. Mais façon qu'elle veut le parti là. Si je fais parler avec toi, c'est pas bon là. Un homme reste un homme. Non, maman, il faut lui parler. Elle a compris. Ok, moi je m'en vais. Merci beaucoup. Docteur. Oui. Prochainement, je viens là. C'est le baptême de l'enfant de Bibi. D'accord. Salut-moi. T'as compris? D'accord, tonton. Gris, tu fais l'affaire la propre. Il y a une chose à la famille. Ah, non, vous m'écoutez. Et là, on va bourre. Ça va, merci. Maman, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit là. Je sais que si tu prends une deuxième femme, je vais divorcer. Ah, ça, oui, ça, j'ai entendu. J'ai compris. Et puis, ça ne te dérange pas. Donc, tu ne m'aimes pas. Maman, je ne m'aime pas. Ta carrière. Bébé, pense à ta carrière. Bibi!